Bon, c'est bon les mecs, allez, Yann, allez, viens t'asseoir avec nous, on va continuer. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelait Hydro. Sauf que Karma, il avait l'aquaphobie. L'aquaphobie, c'est la peur de l'eau, pour ceux qui ne savent pas. Un jour, il a dû aller à la piscine avec sa classe. Mais son pire ennemi l'a poussé dans l'eau. Personne ne l'a vu ni entendu. Il se noya. Depuis, il hante la piscine et fait se noyer les gens qu'il décide. Mais c'est de la merde! Arrêtez de me faire chier là, moi je raconte des histoires, vous foutez rien de tout à l'heure. Attends, Joris, attendez. Moi j'ai une histoire. Et en plus, c'est une histoire vraie. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Donc il était inscrit au SAGI il y a quelques années. J'étais pas encore le directeur. Mais cette histoire s'est passée ici. Et en fait, il s'appelait Robert. Et il était plus petit que tout le monde. Du coup, les copains l'appelaient le petit Robert. Et en fait, au moment d'Halloween, ils faisaient tous une soirée ici. Et Robert était en haut à l'étage. Et à un moment donné, il n'entendait plus rien. Du coup, il descendait l'escalier. Et là, plus personne. Il attend un petit peu. Il remonte. Et là, d'un coup... Elle était bonne celle-là. Oui. Oula. Eh, il est déjà l'heure, hein. Allez, on allume la lumière. Putain, déjà. Et on y va. Oh, pas moi, pas moi, moi je suis pas moi. Faites attention sur la route. J'ai été voir s'il y avait encore de la place pour Bubble Foot la semaine prochaine. Ouais. Il a éteint la radio comme s'il était gêné de ce qui s'est passé. Et il disait que c'était l'anniversaire de disparition du petit Robert. L'histoire qu'il nous a racontée hier. Putain. Donc ça serait vrai. Putain. Ça vous dit de mener une petite enquête? Oh, mais voir si c'est vrai vraiment. Je t'en fais en Sherlock Holmes. Elle est où ma pipe? Par contre, c'est qui pendant que tu te promènes avec des chiens, toi? Et j'ai une idée, venez, rapprochez-vous. Au secours, Kevin! Je suis coincé dans les toilettes! Aide-moi! Kevin, Axel est encore coincé dans les toilettes. Oh non, c'est pas vrai! À chaque fois! Oh, j'y vais. Oh. Allez. C'est bon. Tous les jours, c'est la même chose. Axel! T'as trouvé un truc? Pour l'instant, non. Je sais pas, un truc avec rapport avec Robert, R, je sais pas trop. Rien ici. Axel! Axel! Ouais, je suis là! Ouais, allez, sors! Mais je peux pas, je suis bloqué! Ah, je suis bloqué, aide-moi! Ah, qu'est-ce que tu fais? La porte elle est fermée, où? Mais je peux pas! Mais pourquoi? Allez, où? Ça me saoule, je trouve rien. Bah si, là, regarde. R comme renard? Mais non, R comme Robert, enfin, vous êtes débile. Ouvre la porte. Ah, je peux pas. Ouais, ton pied, il est bloqué ou pas? Non, il est normal. Ouvre. Essaye. Je peux pas. Et avec ta main?
Ah, je peux pas. Bah, je sais pas, prends un truc, essaye d'ouvrir, moi je peux pas ouvrir. Ah, j'ai du papier toilette, mais je peux ouvrir une porte avec du papier toilette. Bah, tant pis, Axel, hein. Dans 5 minutes, là c'est le goûter, hein. Moi j'arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Vite, prends la boîte. Prends la boîte, il arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de sagie du petit Robert. Et il y a aussi une clé USB. Et du sang aussi au milieu. Ah, c'est dégueulasse. On le prend quand même, on va aller voir en salle info ce qu'il y a dessus. Il est parti ou pas, Axel? Aux toilettes. Bon, on est au CHU de Borin et là on va faire une partie de baby foot. Tiens, Giovanni, tu peux me filmer? Oui. Oh, mais ça te casse les oreilles! Elle est longue, ma mère. Bah, qu'est-ce que tu fais encore là, Robert? Bah, ma mère, elle a un problème de voiture, du coup, elle arrivera un peu en retard. Est-ce que je peux rester? Ouais, mais pas de bêtises, hein, je te fais confiance. D'accord. Bon, allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je suis arrivé, c'était quoi ce bruit? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, rien. Ouais. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai trop peur. Tiens, remettez le fruit dans la boîte. Eh, mais t'as vu ça? Il est entouré de mocaves. Venez, on va voir. Ah ouais. Ok. Bon, ok, maintenant on cherche. Il y a une crosse. Venez voir l'air. Mais c'est une blague? On s'est fait avoir. Bien joué! C'était un jeu de piste! Vous venez de gagner les places pour le bubble foot! Mais du coup, c'est qui le petit Robert? Bah, le petit Robert! Eh bah, c'est moi! Mais. Et Axel? Bah, désolé, il est encore coincé aux toilettes. Oh non! C'est pas vrai! Bon, on va aller chercher. Au secours, Kevin! Je suis coincé dans les toilettes! Aide-moi! Kevin! S'il te plaît, je suis bloqué dans.